cha-cha, télé, cha-cha. Comme ça va, croucha, croucha. Comme si, comme ça, lola, lola. Yeah, yeah, ha-cha, yeah, yeah, ha-cha. Coucou. Dans quelques instants, Groucha va essayer de s'introduire parmi les membres de la secte des adorateurs d'Olga la déesse, notre ex-poubelle, pour récupérer le cousin Germain Firmin. Mais qui c'est celui-là? Mais tu sais bien, l'un des deux grands jongleurs. Germain s'est fait embobiner par GTI et sans lui, Firmin ne peut plus jongler. Fini le duo. Qu'est-ce qu'il y a? Ouvrez un peu! Vous avez changé d'avis? Non, mais ça empeste l'essence là-dedans. J'arrive à peine à respirer. Écoutez, sortez de votre pompe, on arrête tout. Non, les voilà qui arrivent. Je le retrouverai. Fermez la fenêtre. Bonne chance. Oh, il est gonflé, ce Groucha. Chers frères et sœurs déchets, implorons tous ensemble notre déesse, Olga la poubelle, pour qu'elle veuille bien nous apparaître. Mais je vois que d'autres fidèles viennent se joindre à nous. Sois la bienvenue, vieille pompe à essence. Prends place parmi nous et écoute la parole sacrée du prophète aux longues oreilles. Super ou ordinaire? Extraordinaire! Une vieille pompe à essence qui parle! C'est un miracle! La déesse Olga a frappé très fort! Chantons pour la remercier! Allez, Olga! Je crois que ça marche. GTI n'y voit que du feu. Quel acteur, ce Groucha! Même moi, je m'y serais laissé prendre! Quand la vieille pompe à essence aura fini de remuer, je pourrai peut-être commencer mon sermon. Faites pas attention à moi, j'en ai pour une minute. Notre bien-aimée Olga, la déesse, m'est apparue cette nuit et elle n'avait pas l'air bonne. Elle m'a dit que vous n'étiez pas encore assez pur pour aller dans les nuages. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, vieille pompe à essence? Vous ne pouvez pas rester tranquille quand le prophète parle de... Il faut que j'y aille, c'est pas que je m'ennuie, mais vous... Ah, j'ai déjà entendu cette voix quelque part, venez un peu ici, vous. Un instant, on m'appelle, j'ai une voiture à servir, j'en viens tout de suite. Bon, mais faites vite, sinon vous allez rater l'apparition. Formidable, votre idée de klaxon, j'étais à deux doigts de me faire démasquer. T'as trouvé le gant? Oui, il est collé sous mon pied. Et voilà comment on réussit un sauvetage en direct. Bravo, Groucha. La suite du programme, dès qu'on aura regagné nos studios. En attendant, repassez le clip de ma mère, brosse dure. Ça fera patienter. Nous dansons sous la pluie, comme faisait Jim Kelly. Nous avons la... Dès qu'il tombe de la flotte, nous sommes les essuie-glaces qui ne tiennent pas en place. Nous effaçons les gouttes pour qu'on voit mieux la route. 50 flops, 50 flops, 50 flops. Mais si, Firmin, puisque je vous dis qu'il est là, devant moi. Oh, je n'arrive pas à y croire. Et il va bien. Ah, ça, il est un peu maigre et assez pâle. Et puis, il a un petit trou. Le petit trou, il l'avait déjà avant. Merci, Groucha. Merci, Téléchat. Vous avez droit à ma reconnaissance éternelle. Je viens tout de suite le chercher. Dis-donc, il a l'air content, celui-là. Qu'est-ce que tu lui as fait? Et dire qu'il y en a qui dorment, tandis que d'autres étouffent dans les vapeurs d'essence. Qu'est-ce que tu racontes? Rien, rien, dors. Chalut, à demain, si on veut bien. Chalut, chalut, à Téléchat. Chalut, Groucha, chalut, Lola. Chalut, les chats et les chouachos. Yeah, atcha, yeah, mambo. Atcha. Ah, cette pompe à essence m'a flanqué un de ces torticolis. Bouge pas, je te fais un petit massage. Oh oui, là, oui, un peu plus à gauche. À droite maintenant. Non, non, là, là. Oh, c'est bon. Ça va mieux? Non, continue.